Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous présente Joyce et Ludovic. Alors, vous connaissez déjà Ludovic, vous avez déjà vu Joyce dans la précédente recette. Alors, aujourd'hui, donc, pour le Rice Krispies, on a besoin de présenter les ingrédients. Guimauve, chocolat, de céréales pour le Rice Krispies, du beurre et de l'extrait de vanille. Ok. Il y a aussi ici une plaque, hein, la plaque, on va beurrer la plaque pour étaler le Rice Krispies afin de refroidir et obtenir la forme carrée. Okay. Donc sans plus attendre, Ludovic, les quantités hein, des ingrédients, vous allez les trouver dans la partie description de ma chaîne. Alors moi je suis là pour guider les jeunes, je les laisse faire, ils sont grands, ils sont capables de s'arranger tout seuls. Alors je vais me mettre de côté, je vais vous laisser faire. Alors Ludovic, toi de ton côté, tu commences à mettre le beurre dans la casserole et puis je laisse juste au milieu. On a déjà chauffé la casserole. Le feu à combien tu as mis le feu à... On peut monter un peu Au maximum. Ok. Parce qu'il faut vraiment mettre le feu au maximum. Pendant ce temps, donc, pendant que tu chauffes, Joyce peut aussi déjà commencer à beurrer le moule. Alors, on va prendre un peu de ton beurre, hein, Ludo, pour le faire. Juste. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, la suite, maintenant, Ludo, tu vas verser les guimauves. Et tu remues. Alors, on remue. On remue sans arrêt. Tout le temps, c'est chaud. Bon, ça va fondre. Tu remues énergiquement. Tu peux te faire remplacer aussi par Joyce. Hein? Ouais. Parce que pour que chacun ait cette expérience, hein, parce que regarde comment ça fait comme le bateau. On dirait un peu comme le slime. Voilà. Alors, on remue, on remue. Si tu vois que c'est déjà, il faut beurrer. Donc, tu peux arrêter le feu. Arrête le feu, tu enlèves du feu, tu mets ici sur le et tu ajoutes ça. Tu peux faire ensemble, tu peux. Vas-y, remue. Hein. On remue, tu dois mélanger. Dans le but de mélanger. Peut-être qu'on a assez, si on a trop de céréales, on va faire deux fois. Il faut mélanger. Là, ils ont mélangé beaucoup de guimauves. Là, vous pouvez avoir ça. Hein? Vous pouvez avoir. Il ne faut pas oublier vos carrés. Pépites de chocolat. En plus, ça va fondre. Ça va être super bon. Donc, on va le faire en deux. Là, maintenant, vous pouvez les étaler. Vous allez garder ça pour faire une deuxième. Là, tu peux verser ici dans la plaque. Okay. Toi, tu vas l'étaler rapidement pour éviter que ça forme. Parce que tu vas voir, ça va devenir dur bientôt. Oh, oh. Je crois qu'on va faire un petit espace. Oh. Et de faire un carré. Un rectangle. Vous voyez, c'est une activité facile, hein? C'est une activité que vous pouvez faire à la maison avec les enfants. Vous avez vu comment vous pouvez faire préparer vos collations à la maison. Hein? Très facile. Ça refroidit très rapidement et ça fait une belle activité en famille. Et puis au moins, vous savez ce que vous avez mis dans vos collations.
Regardez, ça commence à être dur, hein, regardez. Un carré comme ça. On va laisser refroidir un peu et puis on va les découper et puis c'est fini. Mais vous avez réussi votre Rice Krispies, hein? Là vous allez les découper. Et là tu fais des carrés. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous appelez les jeunes alors pour venir vous aider à disposer dans l'assiette et puis passer la dégustation? Je crois pas qu'on pourra tout faire. Donc vous voyez, alors c'est une recette familiale, hein? Alors tout le monde met la main à la pâte. On essaye de trouver la meilleure disposition. Vous allez déguster les enfants, hein? Chacun va prendre un morceau. Okay. Allez-y, mangez, dites comment vous trouvez ça, c'est bon, c'est sucré, c'est... Quelles sont vos impressions les enfants? Ça c'est la recette des jeunes, de vos frères, de vos grandes sœurs. C'est trop bon. C'est bon? Merci de nous avoir suivis. Alors abonnez-vous. Abonnez-vous et puis likez. À la prochaine.